Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en 4 cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Sharman Burke et de Liz Green avec des illustrations de Giovanni Caselli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Dorine Virtu qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà, on fera aussi, alors elles sont là, hop, on fera un petit point litho comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz ledonite qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre, en espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. Hein, on n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes, que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler, hein. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'informations. Vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres, vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger, à la dame libérienne tout attachée @gmail.com et maintenant vous pouvez également aller sur mon site internet. Et puis n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance, au choix pour le ou la gagnante. Voilà, bonne chance à tous et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour cette fin d'année 2018. Alors, je suis désolée de ne pas avoir pu continuer les guidances, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai été bien malade. Une angine qui s'est vite transformée en état grippal. Enfin, bref, je vous épargnerai les détails. Donc, vous m'excuserez pour ma voix si j'ai une bouchine, tout ça, hein, mais c'était ça où il fallait que j'attende encore. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai appris le tarot mythique en 4 cartes avec ici première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre, deuxième quinzaine. Et on aura aussi des messages complémentaires. Alors vous avez eu 2 cartes avec l'oracle des anges, une carte de l'énergie et une carte des portes de l'intuition. On fera un petit point litho. Et on terminera par des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pendant ces 2 mois. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première carte. Et nous avons le 3 de bâton. Bon, ça va, c'est plutôt pas mal. Alors, les bâtons, on est plutôt sur le plan professionnel et matériel. On peut parler aussi généralement de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais bon, là, il y a 2 personnages. Donc, à voir si c'est vous ou une autre personne. A priori, celui qui est debout serait plutôt celui qui est d'un signe de feu, hein, s'il y en a un des deux. Donc, vous verrez bien selon vos cas où vous vous situez. On parle ici d'un premier stade de réalisation, hein, avec le 3, c'est-à-dire l'accomplissement apparent d'une idée initiale, ça peut être d'un projet, de quelque chose que vous avez peut-être essayé de mettre en place et qui, quelque part, vous permet d'obtenir ce que vous voulez. En tout cas, on a l'impression que les fondations sont plus solides, que l'enthousiasme à ce moment-là peut aussi être grand, hein, on peut être content, satisfait. Optimiste aussi par rapport aux possibilités qui seront à venir, mais on vous dit également que, bon, normal, hein, comme là on en est au 3 dans la série et que ça va jusqu'au 10,
qu'il y aura peut-être encore du travail et des efforts qui seront à fournir avant que vous parveniez vraiment à votre but final. Hein, il y aura peut-être des modifications qui seront à faire en cours de route. Il faudra peut-être vous adapter. Si vous voulez, c'est un petit peu comme atteindre une marche, mais pas être encore arrivé complètement au bout de l'escalier. Mais bon, félicitations quand même. Célébrez bien cette victoire en attendant. Hein, profitez de la joie que va vous procurer justement ce moment. Alors moi, souvent, cette carte, elle me fait penser aussi à des excuses qui sont faites. Alors, il peut y avoir aussi, on va dire, une demande. Hein. Vous voyez, il y a quand même quelqu'un ici qui est à genoux. D'ailleurs, ici, c'est un roi qui est en train de donner sa couronne à Jason qui, vous voyez, n'a même plus une chaussure. Enfin, voilà, qui n'a pas l'air du tout dans la même condition. Hein. Bon, ici, on pourrait penser surtout à une condition matérielle. Ça peut peut-être être aussi sur d'autres plans. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de là où vous êtes, on vous fait des excuses ou c'est vous qui allez en faire. Ici, on parle de réparation d'erreurs. Et puis, on vient remettre aussi quelque part un petit peu d'équilibre. Parce que bon, entre un roi et un mendiant, il y a quand même un fossé. Donc, que ce soit par rapport à des collègues, à votre conjoint, avec des gens dans votre entourage, votre famille, des amis, etc. Peut-être que certains avaient perdu leur pouvoir ou avaient cette impression-là, en tout cas. Hein, ça peut être plus ou moins fort, entre guillemets. Et que là, du coup, on vient remettre un petit peu d'équilibre. C'est pour ça qu'il vient lui donner sa couronne. Alors, il y en a après qui peuvent aussi aller jusqu'à réclamer leur dû, hein, quelque part. Un petit peu comme si les pendules avaient été remises à l'heure. Donc, il y aura peut-être des compromis à faire aussi à ce moment-là. Ou alors, vous pouvez justement vous sentir satisfait des compromis que vous avez enfin réussi à faire avec quelqu'un d'autre. Ce qu'on vous rappelle néanmoins, c'est que s'il y a eu un déséquilibre à un moment, c'est que vous avez accepté ou fait peut-être aussi certaines choses pour vous retrouver dans cette situation, ne serait-ce qu'en acceptant le rôle. Alors, je sais bien qu'à dire comme ça, ça peut paraître facile, mais c'est sans jugement. Des fois, c'est complètement insidieux, on se retrouve dans des situations, on va dire, un peu malgré nous, mais parce que sans s'en rendre compte, on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter ou on a eu peur de dire aussi certaines choses. Du coup, la personne en face n'avait pas toutes les infos ou a agi en fonction, on va dire, de ce qu'elle a cru voir ou penser ou ressentir. Et il y en a un des deux qui a commencé quand même, l'air de rien, à prendre le dessus sur l'autre. On peut très facilement se manquer de respect, hein, par exemple en disant oui à des choses alors que si on avait pris le temps de se demander avant si c'était bon et juste pour nous, on aurait peut-être dit non, par exemple. Ou ça peut être pour éviter des conflits. Sauf que bon, à un moment, la politique de l'autruche, ça ne marche pas indéfiniment. On ne peut pas en vouloir aux gens si on ne leur dit pas les choses. C'est sûr que, logiquement, on se dit qu'ils pourraient s'en douter, les comprendre, etc. Hein. C'est le problème souvent entre, j'ai envie de dire, les femmes et les hommes. Bon, en tout cas, ceux qui se reconnaissent dans le féminin ou dans le masculin, souvent les femmes ont l'impression d'être claires, alors qu'en fait, elles sont très subtiles et ne disent pas les choses franchement, voire posent des questions pour avoir des réponses sur autre chose, vont juger une attitude, une manière de répondre plus que le fond, alors qu'on va dire l'homme va être beaucoup plus basique à prendre les choses au premier degré. Et parfois, on peut se dire que si on leur renvoie pas un fax avec une secrétaire à côté qui leur dit le fax, ils comprendront jamais. On est différent, acceptez-le. D'autant que là, de toute façon, entre guillemets, ça a l'air de s'arranger. Donc, que ce soit une petite ou une grande victoire, soyez heureux, célébrez-le, remerciez pour. Maintenant, on va voir ce qui vous attend en deuxième quinzaine. Vous avez encore un 3. Le 3 de denier. Vous voyez, elle est quand même belle et lumineuse. Hein, là, pour l'instant, vous avez quand même des jolies cartes. Alors, c'est marrant, mais il me semble que sur votre tirage pour la rentrée, il y avait déjà, entre guillemets, cet effet 2-2. C'est-à-dire que je crois que c'était pour le mois de septembre, il y avait deux personnages qui regardaient en face d'eux. Et pour le mois d'octobre, deux personnages qui regardaient, enfin, dans la même direction, mais enfin, voilà, un peu chacun de leur côté, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est-à-dire que bon, les deniers, c'est des signes de terre. Hein. Ici, on est sur le plan matériel et financier. Donc, taureau, vierge, capricorne. Alors, je sais bien que ce n'est pas vos signes. Hein. Bon, ça peut représenter aussi, comme je vous l'ai déjà dit, votre ascendant ou l'ascendant d'une autre personne. Mais
Et je vous retrouve bizarrement beaucoup plus généralement dans les deniers. En tout cas, je vous reconnais plus souvent dans ces cartes-là. Donc, à voir si ici, c'est ce qui se passe, on va dire, pour l'autre personne ou une autre personne proche de vous, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, conjoint, mari, ami, etc. Ou si c'est tout simplement les énergies du moment. Ou si vous vous retrouvez plus là ou inversement. Hein, vous verrez bien, ou, comme je vous l'ai dit, les énergies du moment. Mais vous voyez quand même qu'ils ont la même posture. Il y en a toujours un qui tend la main. Et en face, on lui donne quand même quelque chose. Donc, en tout cas, bon, c'est plutôt bon pour vous. On peut penser ici d'ailleurs que si vous aviez quelques soucis au niveau financier, bon, bah, ça va rentrer un peu plus dans les caisses. Hein. Vous allez avoir du soutien, peut-être aussi certains résultats par rapport à des choses que vous auriez fait justement pour, on va dire, améliorer un petit peu vos finances. Hein. Alors, pour certains, bon, bah, voilà, si c'est lié au travail, ça peut être une prime, une promotion. Ça peut être aussi tout simplement un retour sur investissement, des rentrées d'argent. C'est-à-dire qu'ici, vous avez peut-être pour certains commencé à lancer un projet, puis ça commence, on va dire, à marcher. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas suivi avant, qui viennent ici s'excuser, et qui du coup, derrière, après, viennent vous suivre. Hein. Comme vous pouvez avoir davantage de rentrées régulières qui confortent justement la première lame. En tout cas, encore félicitations, même si à nouveau, on vous dit que votre projet n'est pas fini, on en reste toujours ici au 3. Ne lâchez pas vos efforts, le but étant justement d'obtenir une certaine pérennité, que ça soit bien rodé, hein, si vous préférez, pour que ça puisse bien tourner sur du long terme. Donc bah, c'est plutôt bien, hein, vous êtes dans des bonnes énergies, on va dire, de satisfaction et de réjouissement hein, pour ce mois de novembre. On vient récompenser vos efforts, alors ça peut être aussi au niveau personnel, en reconnaissant vos propres limites, comme celles aussi des autres. Peut-être que ça y est, maintenant justement, vous avez su apprendre à davantage vous respecter, à être à votre place, si vous préférez, ou à la récupérer peut-être pour certains. On va voir maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine de décembre. Et là, vous avez eu ah ben, le 3 de coupe, encore un 3. Bon, alors, le 3, on va faire un petit point quand même dessus. Ça peut représenter l'intelligence, l'expression, la communication. Alors, je comprends un peu mieux aussi pourquoi j'avais des pierres bleues par rapport au chakra de la gorge. Il peut ressortir d'ailleurs un peu plus ici. Là, peut-être plus le vert et le plexus. Enfin, le chakra du cœur et le plexus, en tout cas. Là, on est plutôt sur du bleu nuit. Alors, le lapis-lazuli, je ne l'ai plus. Hein, c'est plutôt au niveau du troisième œil. Enfin, bon, là, 3, 3, 3... je vous mettrai un lien hein, sur ce que ça veut dire, sur les messages qu'on a par rapport aux chiffres. On peut parler aussi de réunion, de création, et c'est aussi le chiffre des maîtres ascensionnés. On peut y voir aussi la Trinité, pensée, corps, esprit. Alors là, en même temps, vous êtes pas mal, hein, parce que vous êtes quelque part au même niveau, mais sur différents plans. Parce que là, on vient enfin quelque part sur votre signe. Avec les coupes, on est sur des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson, et on vient aussi ici au niveau relationnel. Alors, elle peut paraître un petit peu sombre, hein, cette carte. Il n'en est pas moins que ça reste un moment de célébration. On voit ici la première union d'Eros et de Psyché, qui se passe le soir, tout simplement. On voit ici derrière la lune qui est vraiment brillante. Alors, vous aurez peut-être aussi une lunaison hein, pendant cette quinzaine-là qui vous impactera peut-être plus. Pour ceux qui sont en couple, qui étaient entre guillemets peut-être un peu encore chacun de leur côté, ou qui je l'espère en tout cas ont réussi à faire ici des compromis, il y a une belle réunion ici quand même qui se fait avec cette carte. Hein. Vous voyez, c'est lui qui vient vers elle. Après, sachez une chose, c'est qu'elle a les yeux fermés. Elle accepte de se marier avec lui, mais sans voir son véritable visage. Pour ceux qui sont déjà ensemble, donc bien sûr, on le connaît, hein, le visage de l'autre. Peut-être un peu moins pour ceux qui sont dans une union plus récente. Ça peut être aussi, par rapport à cette histoire d'excuses et de compromis, ça peut être aussi tout simplement d'accepter de fermer les yeux, entre guillemets, sur certaines choses. Pour que ça puisse se passer mieux, plutôt que de focaliser, par exemple, sur des points de détail, sur des choses peut-être qui vous énervent sur l'autre. Et puis, bah, pour ceux qui sont célibataires, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut être le début, par exemple, d'une nouvelle relation, des premiers émois, un petit peu, vous savez, quand on est amoureux comme ça, quand on est adolescent,
Ça peut parler aussi d'une union qui, pour l'instant, est peut-être cachée. Peut-être que, bah, comme elle est récente, vous en avez peut-être pas encore parlé à votre entourage. Je vous cache pas quand même qu'avec les trois, on peut aussi penser à une relation triangulaire. Hein, ça peut être une relation cachée, mais à l'extérieur, hein, si vous ne vous retrouvez pas vous. Mais bon, là, on est quand même, on va dire, dans les signes d'eau. Donc, pour moi, ça vous représenterait vous. Bon, peut-être que c'est vous qui avez une relation cachée avec quelqu'un, mais je pense plutôt qu'ici, on revient sur l'équilibre. On parle déjà de la trinité. Hein. Vous en êtes au même stade sur, entre guillemets, le même plan. Je la vois plutôt positive, hein, moi, cette carte. Sur le plan professionnel, ça peut être une association. Pour ceux qui sont déjà ensemble depuis un moment, ça peut être une célébration, un mariage, la naissance d'un enfant, peut-être aussi l'envie d'en faire un. Pour les célibataires, j'y pense, ça peut être une rencontre, par exemple la nuit, hein, où c'est quelque chose qui va être célébré, que vous soyez célibataire ou non, le soir, si vous préférez. Quoi qu'il en soit, on parle donc ici à nouveau de commencement, d'accomplissement, d'une première marche de montée, mais vers quelque chose vraiment qui fait vibrer votre cœur, qui vous apporte de la joie. Donc que ce soit un projet qui vous tienne à cœur, une relation, votre entourage, votre famille, des amis, etc. Ça va quand même dans le bon sens, hein, là franchement. Après, il y aura peut-être encore des choses à découvrir à l'avenir, hein, mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément mauvais. En tout cas, on va voir la dernière carte pour voir, entre guillemets, si cette tendance se confirme. Eh ben oui, le 8 de bâton, vous voyez comme elle est lumineuse. Et puis là, on a fini la série, entre guillemets, de « on peut voir chaque tableau, chacun de son côté ». Là, entre guillemets, il y a la réunion. Là, on voit ici, pareil, alors on peut penser à un couple, mais on peut penser à une mère et son enfant, ou à un papa avec son enfant, comme vous voulez. En tout cas, là, on revient sur le domaine plutôt professionnel et matériel, et on vous parle ici d'un moment d'accalmie. Hein, vous voyez, ils sont en train de nager tranquillement tous les deux, et puis il y a un bateau au loin, avec plein de feux, etc., mais qui a l'air vraiment éloigné, qui n'a pas l'air de les empêcher de vivre. En fait, ça représente ici les divers soucis que vous pourriez avoir. Donc, quand on parlait ici de fermer les yeux, justement, c'est peut-être aussi de mettre tout ça à distance à un moment, par exemple pour un coup, pour pouvoir se retrouver davantage. Ça peut représenter aussi un voyage. Hein, tout simplement, peut être un voyage en amoureux ou non, on peut aussi faire des déplacements. Bon, là, je pense au voyage de fin d'année, de toute façon, pour ceux qui vont peut-être bouger dans leur famille, ça va peut-être leur faire du bien aussi, ce moment-là. Et puis, ça peut confirmer également que les tensions qu'il y avait pu avoir avant, qui ont été, on va dire, entre guillemets, un petit peu revues là, ont l'air de tenir bon, hein, 3, 3, 8, donc vous voyez, ça va quand même vers du meilleur. Bon, après, lui, de bâton, c'est un moment. Mais bon, vous avez franchement un tirage assez lumineux, là. D'ailleurs, c'est les scorpions aussi qui l'ont eu, cette carte, pour cette fin d'année. Donc, s'il y avait des tensions encore qui subsistaient, là, en tout cas, ici, on les relâche, on met entre parenthèses les combats, les conflits, que ce soit intérieur ou extérieur, et ça fera du bien à tout le monde. Je vous mettrai aussi un lien par rapport au totem du dauphin. Et ce qui est marrant avec cette carte, c'est que, voilà, autant il y en a peut-être certains qui vont, entre guillemets, enfin sortir la tête du boulot, des problèmes ou autres, etc. Autant il y en a peut-être qui vont avoir envie de mettre un coup d'accélérateur, justement, au niveau professionnel. Il peut y avoir ici une évolution assez rapide, en tout cas plus que dernièrement. Une certaine exaltation, un moment privilégié, une période assez active. Parce que comme vous lâchez prise justement un petit peu de tout ce qui vous plombait, de tout ce qui vous alourdissait, ou vous mettez un petit peu la tête dans l'eau, ben vous allez pouvoir quelque part retrouver un petit peu votre esprit, vos idées. Et moi, je trouve que vous êtes quand même hyper créatif, que vous avez beaucoup d'idées, les poissons. Bah, du coup, ça va peut-être commencer à revenir. Donc, il y en a peut-être qui vont avoir envie, justement, bah, de s'y atteler. Un petit peu comme une poussée de stimulation. Peut-être que le fait de vous retrouver ou peut-être aussi d'avoir des moments avec d'autres personnes, en famille, par exemple, va vous apporter aussi des réponses et des solutions aussi à certains de vos problèmes. Donc, vous voyez, vous avez quand même des belles énergies, hein, quand même, pour cette fin d'année. Et tant mieux, hein.
parce que je sais que pour certains, ça n'a pas toujours été facile là, ces derniers temps. Donc, ça reste quand même plutôt rassurant. On va voir maintenant les deux cartes que vous avez eues avec l'oracle des anges. Alors, on va commencer par la première, qui est lâcher prise. Travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Peut-être le mettre là, je trouve, pour la couleur. Alors, on vient ici vous demander de revoir vos attachements. Je trouve que ça revient quand même ici avec cette carte, entre guillemets, de fermer les yeux, afin de permettre de libérer de l'espace, c'est-à-dire ce à quoi vous êtes attaché. Alors, ça peut être en termes de liens, mais ça peut être aussi en termes de croyances, de valeurs, d'idées, ce qui vous tient à cœur, hein. De voir si, justement, ces attachements, entre guillemets, je ne vais pas dire vous font du bien ou du mal, mais en tout cas, vous apportent des bonnes ou des mauvaises choses. C'est-à-dire que si vous êtes trop attaché à certaines choses et que vous ne le tolérez pas, par exemple, chez l'autre, vous allez passer du temps à perdre de l'énergie par rapport à ça, hein, si l'autre ne veut pas changer, par exemple. Ou faire autrement parce qu'il est tout simplement tel qu'il est. Alors, ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut être par rapport à du matériel, à du professionnel, etc. Hein, ça peut être sur différents plans. C'est pas pour rien qu'on vous propose justement l'huile de bâton, enfin, du mois de décembre, pour justement, hop, relâcher un peu. Puis parce que, bon, vous avez quand même l'air d'avoir bien bossé avant aussi. D'autant que vous savez aussi que souvent, c'est quand on lâche prise qu'on a enfin vraiment ce qu'on veut. Et puis ça pourra permettre aussi de libérer un petit peu d'espace pour justement avoir ce que vous voulez vraiment. Tant que vous êtes attaché comme ça à quelque chose, on ne peut rien vous donner parce que vos mains ne sont pas ouvertes. Donc, plus vite vous y arriverez, plus vite vous pourrez passer entre guillemets à autre chose, hein, mieux ça se passera. Et puis c'est également une invitation qu'on vous fait par rapport à votre mode de vie, à votre quotidien, afin qu'il soit plus sain et surtout plus juste pour vous. Parfois, il faut savoir accepter aussi tout simplement que l'univers a de bien meilleurs plans que les nôtres. Hein. Donc, il faut savoir sortir un petit peu du contrôle. En tout cas, vous avez un bel archange avec vous, hein, et pas n'importe lequel. Donc, n'hésitez pas à lui demander hein, son aide, hein, vraiment, pour pouvoir lâcher prise. Je vais vous donner ici la marche à suivre qui est proposée par cette carte. Préparez un crayon et deux ou trois feuilles de papier, ou si vous préférez, un document vierge sur votre ordinateur. Respirez profondément en détendant vos muscles. Puis écrivez en haut de la page « Archange Michael, que dois-je éliminer pour suivre vraiment le bon chemin vers mon but de vie ?» Jetez sur la feuille tout ce qui vous vient à l'esprit, pensées, sensations, visions ou mots isolés. Peut-être le crayon vous semblera-t-il écrire tout seul. C'est absolument normal et sans danger si vous êtes relié à l'énergie bienveillante de Michael. Notez tout ce que vous recevez, même si vous n'en comprenez pas l'utilité. Prenez ensuite la feuille de papier, ou imprimez votre texte hein, s'il le faut, et détruisez-le solennellement en le brûlant, en le jetant à l'eau ou en l'enterrant tout en déclarant « Je libère par ce geste tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien ». Alors, ensuite, la deuxième carte que vous avez eue, c'est « Annule, efface, supprime ». Donc, on a encore l'archange Michael. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Bah, tiens, on va la mettre là, tiens. Alors, là, c'est bien, on a quand même du violet pour la transmutation. Ici, ça reste plus doux dans les bleus roses, hein, chakra du cœur. Ici, peut-être plus chakra coronal. Moi, sincèrement, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. D'ailleurs, derrière, vous pouvez également envoyer du positif par rapport à ce que vous avez dit justement qui était plutôt négatif avant. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Hein. Ça ne prend que quelques secondes. En plus, plus vite vous le faites, mieux c'est. Alors, si cette carte, elle sort, c'est qu'il y en a peut-être certains qui ont envie ou vont avoir envie de se plaindre. De se trouver aussi en situation de victime par rapport à certaines personnes ou certaines situations et que du coup vous risquez d'avoir des mauvaises pensées, des mauvais mots pour justement décrire ces mêmes situations ou relations avec des personnes. Donc soyez bien attentifs aux mots que vous allez employer parce que la pensée est vraiment créatrice. Hein.
tout a une énergie, vos mots, vos pensées, etc. Et vous créez votre futur à chaque moment. Donc ayez bien conscience de ça, parce que c'est pas en passant votre temps à dire que ça va mal, etc., gna gna gna, que ça va arranger les choses. Alors je sais que c'est facile à se dire, c'est bien aussi des fois d'exprimer ce qui se passe, hein, que ça sorte un petit peu. Vous en avez tout à fait le droit, c'est humain, tout le monde le fait, que ce soit envers d'autres personnes, envers soi-même, etc. Mais derrière, n'oubliez pas de faire le fameux annule, efface, supprime. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que vous voyez, on a ça ici encore en trois mots, donc on a encore le 3 qui ressort ici. On peut aussi venir dire à d'autres avec cette carte de faire attention aux stimulants, comme le café, le sucre, la nicotine et d'autres, hein, pour calmer son esprit. Vos anges peuvent aussi vous aider à réduire et à éliminer ces substances. Parce que vous pensez que ça le calme, mais d'un point de vue énergétique, ça ne fait que descendre votre taux vibratoire, ce qui vous permet moins d'avoir les idées claires, d'être en adéquation avec votre âme, avec votre cœur également. Du coup, je ne vais pas dire qu'on est plus facilement tourné vers des idées noires ou pessimistes, mais en tout cas, on est moins centré sur son cœur, vers la lumière et vers l'amour. Je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. Si vous vous surprenez à proférer de mauvaises paroles, même pour plaisanter, arrêtez et secouez les mains à partir du poignet pour chasser l'énergie. Puis dites « annule, efface, supprime ». Vous pouvez le dire aussi dans votre tête. Hein, pour contrer les effets des affirmations négatives. C'est exactement comme lorsque vous réamorcez votre ordinateur en appuyant simultanément sur les touches « contrôle, alt, sup ». Voyez là aussi, hein, y en a trois. En prononçant ces mots « annule, efface, supprime », vous annoncez à l'univers votre décision d'obtenir des résultats clairement positifs. Vous vous assurez qu'aucune de vos paroles négatives ne deviendra réalité, mais qu'au contraire, toutes seront remplacées par de nouvelles intentions lumineuses. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, on va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec l'oracle de l'énergie. Et vous devinez quoi ? Vous avez encore un 3. Abondance en éclosion. Ouais. Belle aussi celle-ci, hein. Je trouve qu'elle va bien justement dans la ligne là. Donc là, on vous parle de richesse et de valeur accrue. Hein. Donc vraiment, hein, pour ceux qui avaient des soucis, c'est en train de revenir doucement mais sûrement. Là, sur cette carte, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il y a des pièces entre guillemets qui poussent, hein, dans le sol. Et avec cette carte, on vous dit à nouveau de bien être conscient de ce que vous semez comme graines. Et ce qu'on vient vous dire avec cette carte, c'est soyez conscient que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité, tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser. Même chose hein, pour les idées. Donc ici, avec cette carte, on vient vraiment vous bénir, un petit peu comme si l'univers vous disait qu'il était là et qu'il vous aidait à faire épanouir les fruits de votre labeur, en vous demandant bien sûr de bien prendre soin de cette nouvelle récolte, de vos nouvelles semences aussi. Donc n'oubliez pas d'en être reconnaissant et puis bien sûr aussi d'en profiter un minimum. Hein, le pouvoir de la gratitude, plus on remercie, plus on attire à nous de bonnes choses. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça vous fait aussi monter au niveau vibratoire. Donc doucement mais sûrement, et puis ça me refait penser justement à la carte d'avant, la nulle et face supprime, où on dit que ce que vous plantez, vous le récupérez par la suite. Donc si vous plantez des graines qui sont négatives, hein, voilà, vous avez compris le principe, je pense. Je vais vous donner maintenant l'affirmation qui est donnée avec cette carte. La richesse abonde autour de moi. Je vois de la valeur dans mon quotidien. Alors pareil, hein, l'abondance, c'est pas que financier. Ça peut être des cadeaux, du soutien, plus d'amour, de tendresse, d'affection. Pour les célibataires, ça peut vraiment bien représenter le début de cette nouvelle relation. Hein, donc attention aussi à pas être dans un amour aveugle non plus. Hein. Vous aurez encore des choses à découvrir sur cette personne. Ne pas dire que ce sera de mauvaises choses, on est bien d'accord. Mais ne cristallisez pas trop non plus. Hein. Essayez de garder les pieds sur terre et surtout les yeux un peu ouverts, je pense. Profitez de cette période, de ce qu'elle a à vous apporter et célébrez. On va voir maintenant la dernière carte que vous avez eue avec les portes de l'intuition. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben, on va la mettre là. Ben, tiens, justement, par rapport à ce que je vous disais avant, pour les célibataires, hein, de ne pas trop cristalliser,
hein, histoire de ne pas construire un château de cartes, justement. Pour les couples, peut-être aussi, d'ailleurs. Mais plus dans le sens où c'est bon, vous avez compris, entre guillemets, ce qui n'a pas fonctionné avant. Ça peut marcher aussi hein, pour les célibataires. Hein, le but ici étant de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, une fois que vous avez compris, hein, que peut-être que vos bases n'étaient peut-être pas assez solides avant, vous avez tout à fait le pouvoir et la capacité de les solidifier à nouveau, hein, en justement étant bien conscient de ce qui a fait que ça n'avait pas marché ou que ça a amené à telle et telle situation pour que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Maintenant, sachez aussi que là où vous rencontrez plus de difficultés, c'est là aussi où se trouve votre domaine justement d'apprentissage. Quand on vous ennuie plus sur un plan ou plus sur un autre, etc., c'est pas pour le plaisir de vous ennuyer, c'est pour faire ressortir en vous ce qu'il y a à travailler. Et là, je pense que vous avez compris en fait, hein, quelque part, ces histoires d'apprentissage. En tout cas, vous êtes en train de le comprendre pendant cette fin d'année, parce que les choses ont l'air d'aller beaucoup plus facilement. Et généralement, quand on a compris, c'est ce qui se passe. Il peut y avoir des petits tests, on va dire encore à l'occasion, après derrière, pour être sûr de voir que vous n'avez pas oublié. Mais voilà, moi je trouve franchement que vous avez un beau tirage et que ça va plutôt dans le bon sens. Le but n'étant pas de regarder dans le passé en permanence, hein, mais d'être bien dans le moment présent, juste de retenir les leçons et de continuer à avancer. Alors avec cette carte, il y a deux choses qui sont proposées. Il y a d'abord une action que je vais vous donner. En regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et il y a une deuxième chose pour vous aider à développer votre intuition. Vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et donc votre canal visuel. À chaque question qui se pose à vous, prenez un temps de détente, de relaxation. Puis laissez s'imposer une image symbolique qui représente la réponse. En la gardant à l'esprit, laissez venir son sens en accueillant une suite de pensées qui s'enchaînent librement. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous sentirez comme nourri par ces informations. Donc, question Lito, hein, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble, on a plutôt des pierres ici qui s'apparentent au chakra de la gorge, avec ici une larimar. La turquoise, une labradorite, on a quand même pas mal de bleu, hein, on en a la moitié au niveau des cartes. Ici, on a davantage des tons plus, on va dire, pâles. Alors, on a du rose avec du quartz rose ici, une pierre de lune également. Alors, là, je vois qu'on vous invite aussi à être dans votre féminité. Là, ici, c'est un œuf de Yoni, hein. Alors, il est en jade ici, vous pouvez le prendre. On va dire dans une autre pierre, ça dépend de ce que vous avez besoin ou envie de travailler. Pour ceux qui, plutôt pour celles qui ne connaissent pas l'œuf de Yoni, hein, désolé messieurs, mais bon, normalement on va dire que c'est pas franchement fait pour vous. Je vous mettrai un lien en dessous pour que vous compreniez à quoi ça serve. Mais enfin, voilà, on vient quand même, en tout cas avec ces pierres-là, sur le cœur, mais sur le féminin sacré. On a ici un quartz ledonite qui est la pierre des chamans. On a deux cristaux de roche, un avec la forme de la Merkaba qui est le véhicule énergétique de nos corps. Ici avec le sceau de Salomon qui m'aide par rapport à mes soins. On a également une rose des sables et on a du jaspe mokaït. Voilà, ça c'est peut-être pour la partie un peu plus ancrage. Mais pas trop, hein. Le but justement, c'est de lâcher prise un petit peu. On est quand même ici davantage dans la douceur. Alors maintenant, d'accord avec vous, guidé avec les miens, on va voir les fleurs de Bac qui vont vous aider pour cette fin d'année. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent seulement ma chaîne, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui ont envie d'avoir davantage d'informations. Maintenant, pour le mois de novembre, vous avez eu à nouveau Biche. B2ECH, ou être en français. Alors, celle-ci, vous l'aviez déjà eue, hein, il me semble, sur la guidance de la rentrée. A priori, il faudrait continuer un petit peu, ou en remettre un coup, ou commencer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour vous apporter davantage de tolérance et de compréhension tendre des faiblesses d'autrui, faire preuve d'un petit peu de compassion, pour arriver à mieux accepter aussi l'autre tel qu'il est, ainsi que ses différences.
et elle vous aidera également à lutter contre le perfectionnisme, les critiques, les jugements envers autrui, la rigidité, ce dont je vous avais parlé déjà à un moment dans la guidance. Alors, je n'ai pas pu vous la montrer, je ne l'aime pas, et je ne vais pas vous en montrer une fictive. Par contre, pour le mois de décembre, là, j'en ai deux pour vous. Je pense qu'il y en a deux qui seraient bien, maintenant, comme d'habitude, hein, comme vous le sentez, comme vous le voulez, etc. Je ne force personne à quoi que ce soit, mais je pense que, voilà, il y aurait Hawk, déjà dans un premier temps, Shen, qui pourrait elle, vous aider justement, bah voilà, je l'ai mis dessus, hein, pour lâcher prise, hein, arriver un petit peu à prendre du recul, pour certains faire aussi preuve de davantage de mesure dans l'effort et aussi dans ses limites, et quelque part du coup aussi dans celle de l'autre, hein. Ça peut être pour certains arriver à demander, à accepter de l'aide, à avoir un repos davantage régénérateur, et c'est une fleur aussi qui aide à lutter contre les excès des tâches et des charges par sens du devoir. Il y en a peut-être aussi comme ça qui sont un petit peu trop investis dans certaines choses tout seuls et qui s'étonnent après de pas d'être les seuls à les faire. C'est dans ça justement qu'il faudrait peut-être remettre un petit peu d'équilibre. Ou qui, parce qu'ils s'en mettent beaucoup trop, en demandent également beaucoup trop aux autres. Donc, à voir. Et la deuxième qui pourrait peut-être vous aider pour ce mois de décembre, ce serait Chestnut Bud, ou Bourgeon de Marronnier, qui, elle, vous aidera davantage à faire preuve de sagesse dans l'apprentissage, de compréhension et d'intégration des leçons tirées pour pouvoir passer à autre chose, pour aller vers quelque chose de meilleur et de plus juste et bon pour vous, et surtout à éviter la répétition des mêmes erreurs. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de prendre les deux, hein, vous voyez, s'il y en a une qui vous appelle plus que l'autre, ou quoi, ou qu'est-ce, vous verrez bien. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous souhaite d'avance de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Merci aussi d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Pour ceux qui participent au concours, bonne chance. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Pour les anciens, merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis contente de vous retrouver à chaque fois. Prenez bien et grand soin de vous les poissons. Profitez bien, célébrez, lâchez prise un peu, hein. Faites-vous plaisir. Et puis à bientôt les poissons. Namasté.